just be yourself. Because being yourself as an artist will allow you to be something that no one else in the art form can be. Offer more of yourself to the music, and it's just going to be completely different. Eh bien salut tout le monde, c'est Clément et aujourd'hui les amis on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui ça sera pour un épisode spécial sur les jeunes rappeurs qui vont percer, ou en tout cas qui le méritent. Alors la famille sur YouTube, on y découvre des talents qui ne sont pas toujours mis en valeur. Et donc vous le savez, on va encore une fois tous ensemble découvrir ces rappeurs qui sont dans l'ombre de YouTube et essayer de booster tout ça. Pour les 5 premiers épisodes, franchement vous avez été géniaux. Vous avez donné de la force aux rappeurs et franchement je le répète, c'est un kiff pour eux et pour nous qui avons découvert ces talents aux 4 coins de la France. Cette fois-ci encore, voici une grosse vidéo, mais pas n'importe laquelle, puisque dans le dernier épisode, vous avez voté à plus de 63% pour avoir un épisode spécial Belgique, que voici d'ailleurs. Mais félicitons quand même les Suisses qui ont été très très bons dans les votes également. Bref, préparez-vous car on change de pays, je vous ai concocté des talents belges, mais pas seulement, vous allez voir un talent français particulier qui risque de vous plaire. Alors je compte sur vous la famille plus que jamais pour faire tourner cette vidéo un maximum si vous voulez un épisode 7. Et je vous invite aussi à regarder les épisodes précédents si ce n'est pas déjà fait. On entame cet épisode sur les jeunes rappeurs spécial belges avec celui qui a permis à la Belgique de gagner les votes. Il s'appelle Blacka, il a 23 ans, il vient de Châtelet en Belgique, évidemment, et il a un talent de fou mais mérite beaucoup beaucoup plus de visibilité. Alors grosse force à lui. Qui même me suivra depuis on n'est plus trop. Piste par personne, je dors des lingots, je le dis dans chaque son. Je veux le bif et la femme du patron. Arrête de jacter, t'as des coups comme Jack Miel. Lunatique comme le climat de la Belgique. Envoie les sous et la Belgique. Le travail est précis, les frappes sont précises, gros. Balek d'être apprécié. Qui sera là si le gun tous, même à 12, c'est sûr que vous croyez tous. Des rappeurs qui s'inventent un véhicule pour récolter les écus. En vrai, ils font R dans leur zone. Autre style, autre délire, mais avec un talent à ne pas lâcher. Voici Absolem, 20 ans de Bruxelles. Et je suis sûr qu'il y a moyen qu'il fasse quelque chose de grand. Alors bien sûr, ce n'est pas encore parfait, mais il s'en rapproche. N'hésitez pas à soutenir ce frérot, il le mérite. Je suis pas n'importe quel dos. J'attends la chance, j'attends ce qu'elle donne. J'ai les vœux, le vaisseau Sheldon. Des explosifs, y'en a des tonnes. Tire sur le fil rouge et ça détonne. Parce que la vie est une pute. Mais c'est pas sur ton don. Je lui mets des doigts sur le bonbon. Dans mon dos, y'a des cassures. Mais faut des cas sur mon compte. J'entre en cabine et tu presses on. Yeah. J'ai plus le contrôle de ma tête. Hier, j'ai pas fait que la fête. Rallume le joint de la veille. Ils sont trois, ils sont chauds et font partie du Uzi Gang. Ils viennent de Liège, ils ont entre 19 et 20 ans. Et franchement, leur avancée est gérée proprement. Et le succès pour eux n'est sans doute pas loin, vu leur détermination. Et en tout cas, je leur souhaite. Yes, pour moi c'est dommage, je vois ces coups de grâce, on va voir tes bras. Tu parles tout bas, tu fais plus ta grosse voix. Une sur toi, tu lances ma pouta. Attends, je t'explique, moi je suis indécis. Entre le bifton et l'amour de cette fille, la drogue passe par là-bas. Noir, noir, sur les bails. La noir, noir, sur les bails. Noir, noir, sur les bails. La noir, noir, sur les bails. Photo, mais qu'est-ce que tu fais? Ouais, ça fait un bail là. T'as de la beufa, c'est de la verre qui dépasse tout. Je sais plus que plus je m'en charge. Pense à le fumer, emmène toi à faire mes pesos. T'as chaud donc t'appelles tes sauces. Sur le chantier gros, on porte nos couilles. On perd la bataille, mais on perd pas la guerre. Bon, il étale, week-end, je pars pour Amsterdam. Petit, c'est ça ma vie. Oui, je m'envole le Caraïbe. Alors celui-ci s'appelle OGR Music. Il a 17 ans, il vient de Liège. Ce frérot m'a fait kiffer clairement, il arrive à faire des bons délires avec sa créativité. Je vous préviens, c'est particulier, mais il sait s'adapter. Et ça c'est un bon point positif pour un rappeur. Alors je vais vous passer des extraits de clips différents, mais je tenais surtout à vous faire découvrir cette comptine revisitée. Franchement, un bon délire. Vert de Jack, vert de Jack. 40% je suis rabatte. Pour 2 mg d'azurette, elle s'abaisse. Ça sonne le matin. Ça fait 2 ans qu'on gère le four. 12,5, 25, 50, 100. Ouais, c'est patch le dieu de la bicrave. Trop d'aspi, pas besoin de bédaf. À ce qui t'énerve, t'as un grinch. Mais bon, t'azurette fait soulever pour un grinch. Gabé jamais en manque de gauche. Elle a kiffé vert de Jack, maintenant je la pinche. Doré mi faso, la voix de patch, je les fascine. J'suis dans le Banks, bébé, je ne suis plus malheureux. Bien sûr que j'encaisse, faire la moula c'est devenu un jeu. J'ai calé un jeu dans la poche arène, mon souvet de Kalenji. On accueille maintenant un frérot, il a 29 ans, il s'appelle TPM. Il vient de Paris et pourtant j'étais obligé de vous le présenter maintenant. Il propose un délire qui peut s'imposer n'importe quand. Alors je suis fan de lui et de ce qu'il propose, franchement. On va pas se mentir, il faut avoir de l'humour puisque c'est parodique. Mais en creusant un peu, on s'aperçoit qu'il a un véritable flow, une bonne qualité et donc un véritable talent. On peut très facilement le comparer à Lorenzo par exemple, qui est à fond dans le délire du
du second degré, tout ça. Alors si vous kiffez la famille, n'hésitez pas à lui envoyer de la force, le lien est en description comme tous les autres rappeurs. Lui, il mérite vraiment sa place et je crois en lui, TPM. Je fais du rap sale, ça vient des quartiers nord, tu vois le supermarché, la poste, tu vois la poste. À l'aide d'une instru que j'ai piqué sur internet, j'aligne les insultes, même si elles ont ni queue ni tête. Je fais du rap sale, tellement avarié, car pas varié, je balance des rimes sales. Copié sur le rappeur d'à côté, je commence toutes mes phrases par jeu, car je suis auto-centré. Ici ce n'est pas un jeu, je ça y est, le jeu doit être trouvé. Kalash, Kalash, Kalash des princesses, Kalash, Kalash, Kalash. J'ai peur de ta réaction si je te dis que je suis gay. Non, je fais du rap sale, j'essaie toujours de nettoyer, balance des rimes sales. On repart maintenant à Bruxelles, y accueillir Benito, 20 ans. J'ai parlé un petit peu avec lui comme avec chaque rappeur et je dois avouer qu'il est très très motivé, très sympa et surtout prêt à conquérir le rap game et pas seulement belge. J'espère pour lui un bel avenir car il propose vraiment de la qualité. On prend les mêmes, on recommence. On a la meilleure de la ville, c'est normal que le client commande et recommande. Depuis bénéfice, je fais du bénéfice, il se demande je fais comment. Équipe énervée dans la chop, on est bresson et on revient d'Hollande. Oh my god, man, j'suis tombé dans le vide devant ses cuisses. Moi c'est Loch Ness, multifonction comme un couteau suisse. Des proches partis vers l'espace, dans mon quartier c'est loin des strass. On se bête les neurones, on finira pourri dans le Banks. Maman c'est pas que j'mène une double vie comme Péril Ornithorynque. Elle est du 6, 23 ans, venant de Charleroi, débarque motivée comme jamais, proposant un son ambiancé, donc c'est vraiment le début pour lui, mais j'ai tout de suite capté qu'il y avait quelque chose à faire de lui. Il y a vraiment moyen qu'il sorte du lot s'il continue comme ça. Alors à toi frérot, lâche rien et grosse grosse force à toi. Tu peux pas nous arrêter mon pote, surtout quand la machine est déjà lancée. Je vois dans ta façon de me saluer que t'as la haine quand tu me vois avancer. Malgré ta rancœur, tu peux pas t'empêcher de danser. Bébé ou dis-leur qu'on est là, dis-leur qu'on est là. Ça me résout, dis-leur qu'on est là. On enchaîne deuxième couplet. La reste m'appelle, elle me touche du bout de pied. Mais je réponds pas, c'est temps si je touche un peu de papier. Normal, j'ai envie de me barrer du quartier. Mais y'a trop de loja, tu m'as fait du mal, tout spéto tout tard. Celui-ci me fait penser un petit peu à BY, mais version belge. Il saura vous ambiancer et vous redonner un petit peu de chaleur en cette période d'hiver, qui est vraiment déprimante d'ailleurs. Shisen, 18 ans, de Bruxelles, est opérationnel et prêt à tout démonter. Et je le répète comme d'habitude les amis, si vous kiffez un rappeur et que vous souhaitez lui envoyer de la force pour le faire monter, pour le faire connaître, les liens sont en description. N'hésitez pas à mater ça, c'est vraiment important pour eux. Je te fais danser, 6h du matin, je me suis réveillé. Je pars charbonner, je croise quelques refrains. Salut, assoiffé par le liquide. Jeune débrouillard, je ne veux que du beat. Je viens frapper comme une météorite. C'est loin, je suis fier. Je te fais danser, regardez nos têtes. Pour trouver les rappeurs en Belgique, généralement c'est du côté de Bruxelles ou Liège, on l'a bien compris. Mais là on change de ville et on se retrouve dans la ville de Namur pour découvrir Deno, 22 ans, un jeune rappeur à suivre absolument car il risque de percer très très prochainement et il mérite clairement plus de vues pour ce qu'il fait actuellement. Alors maintenant c'est à vous de voir si vous êtes du même avis que moi. J'passe de sommeil, en somme j'ai pas le temps. Quand je baisse un pas dedans, je ronfle 16 fois 4 temps. Je suis tombé type dans la fatigue, compétiteur, mais quand ça va vite c'est mort. Je remballe la bitch et je dors. Puis je tombe dans la fatigue, mais contre la matrix court. Check que dès que ça sous mes yeux, mais que le rap c'est comme ma IA. Check que dès que ça sous mes yeux, mais que le rap c'est comme ma IA. Au réveil c'est pas la forme, bah les couches c'est pas d'effort. C'est le lendemain du lendemain d'Ateille. On a viable le grand va ta mère, a dit pour un chapelle. Il veut prendre un sachet, mais le don il est fatigué. On s'arrache et tu restes, j'suis dans la F comme d'hab. En bas d'échelle faut que j'maille, mais c'est la F comme d'hab. J'suis dans la F comme d'hab. En bas d'échelle faut que j'maille, mais c'est la F comme d'hab. Ils sont deux, YS et Anjay, 21 et 22 ans de Charleroi, en lien d'ailleurs avec l'un des précédents rappeurs. J'aime beaucoup leur travail, ils arrivent à proposer des sons différents, ils s'adaptent au style, toujours en proposant de la qualité, et ça finira par payer, j'en suis sûr. Continuez comme ça les gars. Bête bête me tire la main, elle veut qu'on aille plus loin. Elle me prend dans ses bras, mais moi je ne sais pas si elle joue avec moi. Si elle joue avec moi. Réponds plus à mes appels, je veux être seul. Je te ferai du mal, t'en es consciente ma belle.
je vois son sourire d'enfer et ses yeux lucifer. La clarté d'une lumière dans un paysage lunaire. Y'a un truc qui va pas. Y'a un truc qui va pas. Bête bête, elle veut voir tomber de haut. Bête bête, on dit quoi trop dans le rétro. Bête bête, elle bouge trop bien sur le dancehall. Bête bête. Maintenant la famille, c'est à vous de jouer, je vais vous faire écouter un jeune rappeur ou une jeune rappeuse. Vous ne verrez pas à quoi il ou elle ressemble et vous ne saurez rien du tout. Si ce talent vous plaît ou bien au contraire, vous pourrez le dire dans le sondage qui va s'afficher en haut à droite de l'écran. Si la majorité dit oui, vous découvrirez ce talent dans la prochaine vidéo. Alors maintenant les amis, c'est vous qui avez son destin entre les mains. C'est parti. J'ai du mal à m'exprimer, ouais, dans mon cœur ça s'agite. La conseillère m'a conseillé d'aller me faire enculer, de ne pas croire en mes rêves et de rester tranquillement sur le côté. Et tous les soirs je gratte des textes et j'en oublie mes cernes. Je passe à côté de plein de choses et j'en oublie mes frères. Et c'est plus la joie dans mon cœur depuis que maman est partie. Je me suis noyé dans mes chagrins et aussi dans mes souvenirs. J'ai évolué, avant je mettais freestyle dans le cartable. Hey. Maintenant c'est direction Instagram. Et ça y est, on arrive à la fin de cette vidéo la famille. J'espère que vous avez kiffé cet épisode spécial belge. Si vous voulez un épisode 7, dites-le moi dans les commentaires. Et comme la dernière fois, si vous êtes rappeur et que vous avez du mal à percer, ou alors que vous connaissez un ou plusieurs rappeurs que vous voulez aider, je vous attends sur mes réseaux sociaux et on essaiera de monter tout ça ensemble. Petite parenthèse qui n'a rien à voir, mais je tenais à vous le dire, j'ai acquis un nouveau siège d'X-Racer, on va dire un petit peu type gaming, très confortable. Je passe beaucoup de temps dessus et je vous assure que ça change totalement la façon de travailler. On est bien mieux là-dessus et du coup, si vous souhaitez en acheter un pour chez vous, pour le bureau ou bien encore pour vous messieurs en studio, le lien est en description, n'hésitez pas. Ça fait un petit peu promo, je le sais, mais avec ce cadeau, j'étais obligé de vous en parler. Et d'ailleurs, immense merci à D'X-Racer pour ce cadeau vraiment au top, vous gérez. Et comme d'habitude les amis, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un énorme pouce bleu à cette vidéo, la commenter, la partager. Et vous pouvez même vous abonner et nous on se retrouve très bientôt pour de toutes nouvelles vidéos. Prenez soin de vous, salut tout le monde.